La Vendée pour défense, la Seine, division. Le soutien de la France va détruire la nation. En avant, bombardier, artillerie, sont tous prêts à danser la symphonie. À l'entour de nos forces, nous avons pour certains des ennemis atroces qui nous narguent de loin. Nous pouvons nous vanter et que ces mutins nous auront abordés et sur nos terrains. Ce complot général de ces républicains, de ce monde le total veut battre les chrétiens. Mais son coup est manqué et pour de certains, il se trouve éloigné et de nos terrains. Admirons la vaillance de Achard, est homme de cœur. Il est né pour la France, il fait voir sa valeur. Regardez cette armée et rien de plus beau. Il y a palmé laurier et dans les drapeaux. Souverain monarque, il a bien du renom. Il fait un grand obstacle à toute la nation. Jusque dans l'Angleterre, on parle de lui. Ainsi que sur les frontières, même à Paris. Dans toutes les provinces, vous entendrez parler qu'il y a un nouveau prince qu'on dit dans la Vendée. Qui se nomme Charette, le sabre en main. Il fout les bleus à terre, j'en suis témoin. Quand il va à l'attaque, dit à ses commandants: mettez-vous en bataille et marchez sur huit rangs. En avant, bombardier, ne craignez rien. Courage, canonnier, le monde m'appartient. Voyez toute cette troupe, il n'y a rien de plus charmant. Charette veut l'union de tous ses commandants. Il ordonne d'être prétend que dans la Vendée. Chaque commandement en soit divisé. Quand nous sommes à Belleville, remparts et bastions, les commandants civils de chaque division vont rendre à leur hommage à le genou auprès du grand personnage du Poitou.